deux reprises et il a été surtout passeur décisif plusieurs fois avec ce premier tir dans la surface. Benjamin Ogua qui est le capitaine du soir. Allez, ça passe côté droit maintenant. Guirassy pour Sabri. L'activité de Sabri, ballon deuxième poteau, c'est bien avec Remars. De Briochin terme et l'action se poursuit avec la frappe de Léo Yobé. Oh, cette frappe qui a surpris un peu tout le monde. Pour ce stade Briochin FC Versailles. Et le, Guirassy qui est un contre-gagnant. La frappe de Guirassy, elle a été, je crois, détournée par le gardien. Oui, gardien qui met cette... Un droitier, un gaucher. Faites vos jeux. Amenez le danger devant les buts de Sébastien Reynaud. C'est parti avec le droitier. Le but. L'ouverture du score d'Hicham Benkaïd. 3 minutes avant la pause. Le meilleur des moments choisi pour le buteur providentiel de Saint-Brieuc. Le stade briochin mène 1-0 contre Versailles. Et le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre qui renvoie tout le monde au vestiaire après 45 minutes de jeu. Bien sa défense et son équipe lyonnaise. Corner rentrant. Et attention, c'est décalé au deuxième poteau. C'était sur Johan Brun, je crois, là-bas. Milieu de terrain entre Matteo et Léo Yobé. Rodrigo Amado Hernandez qui est uruguayen, hein, que l'on reverra tout à l'heure. Mais attention, parce que là, il y a peut-être un ballon de 2-0 avec Remars dans la surface qui s'appuie sur Gomis. Remars encore, le petit ballon fouetté et capté finalement par Sébastien Reynaud. Avec Gomis en direction de Angua. Et Angua qui se fait chipper le ballon par Rachid Alioui. Le centre, première intention. Oh, pour Mandy Prunier, quelle occasion pour Versailles. Sur ce ballon perdu dans les pieds de Benjamin Angua. Sixième but en national cette saison, Rachid Alioui. On joue la 83e minute de jeu. C'est parti pour l'attaquant de Versailles. Et ce ballon dans la surface de réparation, dégagé finalement par la défense briochine, héroïque. Il partait bien. De l'espace devant Matteo Remars. Ouais, qui a vu de l'autre côté. C'est bien joué avec Foné Guirassy. Guirassy le premier sur le ballon. Mais c'était difficile. Difficile de pousser ce ballon au fond des... Le corner du possible. On le disait tout à l'heure. Il est là. Versailles qui a peut-être ici sa dernière opportunité pour égaliser. C'est parti. Ah, ce corner qui ne décolle pas, hein, sur ce coup de pied arrêté de Rachid Alioui. Deuxième chance. Oh, l'égalisation. Ça a été effectivement poussé au bout des filets. L'égalisation de Versailles dans le temps additionnel. Dans cette forêt de jambes. Et non, il n'y aura pas 7 minutes. Match nul, un but partout. Entre Saint-Brieuc et Versailles. Au terme de ces 90 minutes.